Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le second épisode de notre nouveau let's play sur Pokémon Iris Purple, le nouveau fan game que nous avons donc commencé il y a peu du coup, et on a un peu essayé d'ouvrir les formes, on va dire, de ce jeu et de découvrir un peu où on met les pieds. Et il se trouve qu'ils ont tenté dans ce jeu, alors je sais pas si c'est vraiment centré qu'autour de ça, mais en gros ils ont changé la manière d'utiliser Evoli dans ce jeu avec des pierres évolutives, mais d'une manière assez particulière, puisque en gros, déjà, ils ont créé un Evoli, enfin une évolution par type, et en fait, il y a des pierres qui sont utilisables à l'infini, et portables à l'infini, que l'on peut voir d'ailleurs juste ici, qui permet du coup d'évoluer en fonction de la pierre évoluée dans son évolution, et qu'il puisse apprendre certains moves spécifiques en fonction du type de l'Evoli, et il y a une Return Stone qui permet de le ramener sous sa forme d'Evoli de base. Assez particulier, mais j'ai encore un test à faire par rapport justement à ces fameux moves spécifiques. Et pour ça, j'ai besoin qu'il augmente un peu en level encore. On était arrivé ici, alors on a battu la première arène du jeu déjà, hein, qui était une arène de type électrique, assez facile pour l'instant, mais ce n'était que le début. Alors pour l'instant, on n'est pas très dirigé, on se laisse un peu avoir par notre destin, notre intuition, pardon. Ah, Team Sulfur, bon, ça c'est la team du jeu. Vip. Tout que cet évolu là avait adaptabilité, donc c'est bien. Il m'a donné XP cher, c'est bien. Et on a donc aussi capturé un Murkrow et un Budou, hein, donc ça sera pour la suite. Au cas où, voilà, ça fait des Pokémon utilisables en plus. On est parti pour Bristown. C'est là où se trouve la seconde arène du jeu. Ah, c'est type vol. Oh non. Ah, parce que le type vol, je le passe pas. Hein. Morsure. J'ai pas la pierre pour évoluer en Voltaire, malheureusement. City, ce sera la troisième arène. Alors, s'il y a une zone qu'on puisse visiter, Pokédex. D'accord. Oh, il met que des coups critiques. En fait, je suis complètement débile. Pourquoi est-ce que j'ai procédé comme ça?
pas du tout ce que je voulais faire. Ah, mais on a Glacéon. On peut avoir Glacéon, là, il est type glace. Il me faut le niveau suffisant pour faire mon test, sinon ça marchera pas. Alors attends, il y a peut-être une autre solution. On va remettre le Pokémon Scaling, voilà. Comme ça, ça va partir d'un niveau normal. Et l'XP sera réparti d'un bon niveau, on va dire. Par contre, il y a souvent des Pokémon qui me bloquent dans ce jeu. J'espère que ça s'est fait correctement. Sans d'attaque, on s'en fout. Je suis pas certain. Attends. Oh, j'en ai marre de ce jeu, c'est pas possible. Laisse-moi partir, putain. Arrête de me bloquer comme ça. Pas normal. Lupix, tiens. J'ai pas de Pokéball. Quel enfer. Non. Bon bah remarque, hein, c'est pas si mal. Ça m'évite d'avoir en utilisé deux. Et c'est pas vraiment ce que je veux faire. C'est fou. Faut dégager d'ici. Ah, il me bloque les pokés, c'est une catastrophe ambulante. Hein. Faut vraiment arrêter de me bloquer. Je voulais regarder un truc. Attends. Putain, je sais plus comment elle s'appelle, cette Shiny Stone, voilà. Shiny Stone, c'est la pierre éclat. Elle existe quelque part, mais apparemment c'est une pierre définitive, entre guillemets. J'ai pas retiré le scaling. Voilà. Et je vais regarder juste un truc. J'ai des petits tests. Ah, il apprend des trucs quand même, quoique. Attends, on va repartir sur le Goopix. On va dire 8G ou 7G, tiens.
Sauf que j'ai pas le move relearner. Ah, j'ai fait de la grosse merde. Putain. C'est pas grave. On va le laisser dans le PC, ce machin là. C'est pas trop ce que je voulais faire, mais c'est des expériences. C'est des expériences. Tu me diras à ce niveau-là. Ouais. Bon. Ce que je veux, moi, c'est juste que lui, il level up. S'il ne level up pas, je peux pas faire mon test. Putain, il fait beaucoup trop mal. Il fait beaucoup trop mal. Ah, ça arrache la gueule. Hein. Ça arrache. Bon, on va faire ça. Ça m'énerve. Ah là là là, bon sang de merde. Pourquoi tu me confus la gueule, putain de merde? Oh, mais j'arrive pas à faire un truc sans que toutes les 10 secondes ça casse. Hey, mais il a pris des dégâts, c'est mort. En perme. C'est pas croyable ce jeu, bon sang de merde. Le truc qui foire en l'espace de 10 secondes, quoi. Il lui reste deux niveaux à atteindre pour faire le test. Oh non, 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 non. Putain de merde. Ah, on va pas y arriver avec ça, hein. C'est pas possible. C'est clair que c'est le champion, je peux pas faire autrement. Allez, on va y croire jusqu'au bout. Putain de merde.
Après, normalement, la courbe d'XP de l'évolue à la base est censée être meilleure. Entre guillemets. Il manque un seul niveau. C'est terrible. C'est terrible de devoir attendre à faire ça. Quel enfer, bon sang. Ah, attends, il reste combien de d'XP? 901. Un shiny. Allez, on y croit, on y est presque. Juste que mon test fonctionne, comme ça on sera tranquille. Ah, il manque pas grand chose. Il manque une toute petite portion d'XP et c'est bon. Allez, allez. Il a appris Covet, bon ça on s'en fout la rigueur. Ça, on est d'accord, c'est le move de Evoli. Pas le move de Glaceon. Donc maintenant, je le passe en Glaceon. Il apprend Ice Fang. Voilà, donc ça, c'est le premier test. On est d'accord que quand, là, à l'heure actuelle, Snowflake, ça, on s'en fout. C'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, on va utiliser une Return Stone. On le remet... comme ça, et on va utiliser par exemple une Firestone. Et il apprend Firefang. Et il a gardé. Voilà, donc mon hypothèse se confirme. Donc c'est le meilleur système pour faire fonctionner un Evoli. Maintenant, il y a une autre hypothèse qui me reste à vérifier. Ce sera pour le niveau 25, il y aurait Ice Shard. Il y en a beaucoup qui apprennent Takedown. Il y a Fire Spin pour Flareon, cela dit. C'est juste le test, hein, encore une fois. Ok, donc là on est bon.
Ah, l'Endeavor, j'aurais dû le voir venir. Est-ce qu'il peut one-shot? Ah là, si ça one-shot, ouais, j'ai fait la connerie avec... C'est bon, il est mort. Ouh! On a obtenu le Sword Badge. Ah, c'était 88 blocs. Désolé hein, pour ce moment d'attente avec mon test. Oula, ça va tout seul. Juste regarder le timer par rapport à ce que je veux. 39-11. Ok, bon. On a deux badges au moins, c'est déjà ça. Et du coup, maintenant, est-ce qu'on le remet en niveau de base? Maintenant, l'objectif, c'est de le faire aller avec les autres Pokémon de la team. Est-ce qu'on a envie... Bah, en l'état actuel des choses, le type sol est plus intéressant. Il a quoi en type sol, du coup? Je pense à Sandstorm, peut-être. Ah non, il a rien. Sérieux? Il aura Takedown au niveau 25. Et au niveau 29, il a Dig. Oh, il faut attendre le niveau 29! Ah, c'est nul. Et en type insecte? En type insecte, c'est pas terrible. Pareil, type 1. Et il s'appelle comment il s'appelle... Oh, j'ai pas le vrai nom. Verméon, il s'appelle. Verméon, là, il aura Pit Missile au niveau 29. Il a Takedown, oui, il y en a beaucoup qui apprennent Takedown au niveau 25. Je pense qu'on va le remettre dans sa forme de base. Pour l'instant. Putain, je vois rien. De mon bac. Il faut aller jusqu'à H City. J'étais pas censé déjà l'avoir, ce truc là, on me l'avait donné avant. Sérieux. Bon. Peu importe. Ah mais non, mais je suis débilos. C'est pas ce que je veux. Je fais n'importe quoi, mais non. Ah, j'ai complètement zappé. Oh, je suis débilos. C'est pas vrai. Alors, je suis vraiment débile, hein. Putain de con. Oh, il m'a laissé la win, mais je méritais pas. Hein. C'est pas ce que je... Oh, non, mais j'ai fait une bêtise. J'ai juste fait une bêtise. Hein. Ça n'empêche pas, de toute façon, il faut prendre notre Pokémon à côté. Hein. La bêtise que je viens de faire, bon sang. Quelle connerie. Route 509. Si un Pokémon m'arrête, non. Alors on va taper en priorité le Riolu et toi tu vas me faire Ice Fang sur l'autre. Voilà.
Et qui c'est qui m'apprend Oh non, on est obligé de les apprendre. On va l'apprendre à Bidou. Ah, alors le mont Bac. Ça, c'est une nouvelle pierre.
à Rockstone, tiens. C'est les assassins spécifiques. Certifiés peuvent passer. Je suis pas un assassin certifié, ça veut dire. Oh, c'est... Ça devient... Oh putain. Il leur faut... Le plus... Quel enfer cet endroit. Ah, je suis revenu en arrière. Oh là 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 là, ça me saoule.
Quel enfer! Ça pop toutes les 3 secondes, wesh! Ah, là, c'est pas avec Ditto. Oh putain, c'est un enfer ce lieu. Attends, tu sais quoi? Parce que ça m'a vraiment agacé de ouf. Allez, on va essayer de revenir sans que ça nous gêne, merci. On revient à la ville, s'il vous plaît. Pas beaucoup de sous, hein. Putain. Allez, faut que je tienne le temps de sortir de cette satanée grotte. J'avais atteint une sorte d'issue de secours là. De sortie tout du moins. C'est ça. Oh. Oh. Les Pokémon sont bas niveau. Et on va donc s'arrêter là pour cette fois-ci. On reprendra la prochaine fois pour la suite de cette aventure. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très bientôt pour la suite. Ciao.